Le 23e concerto de Mozart, extrait du Parc, pièce emblématique du chorégraphe. Et pour accompagner ce pas de deux hypnotique, il nous fallait une artiste généreuse et sensible, très attachée à Paris, sa ville de cœur. Et c'est la pianiste Khatia Bunyatishvili qui nous a transportés tout à l'heure avec le concerto de Tchaïkovski. Voilà, Khatia Bunyatishvili est installée à son piano. Est-ce que les danseurs sont en place? Eh bien, place à la danse et à la musique. C'est le concert de Paris qui continue avant le feu d'artifice.
quelle poésie. Il n'y a quelle poésie extraordinaire. Merci à Khatia Buniatichvili. Et il n'y a vraiment que le concert de Paris qui peut nous offrir de tels moments d'émotion. Voilà pour ces danseurs. Je tiens à préciser que tous les danseurs du ballet Prejlocage veillent au respect des règles sanitaires en vigueur et suivent un protocole médical très strict, ce qui a rendu possible d'ailleurs ce tendre baiser final. Espérons que la danse reviendra en 2021 sur cette scène. D'ici là, notez dans vos agendas la prochaine création du chorégraphe Angeline Prejlocage.